Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Mardi 4 novembre aujourd'hui, il est à peu près 18h45 du coup vu que mon réveil vient de sonner. Et on va aller faire les courses aujourd'hui. On va aller faire les courses parce que du coup je peux enfin aller faire les courses. C'est magique, on est en début de mois donc c'est parti. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous montre ce que je me fais à manger ou les recettes, en tout cas les plats sur 5 jours du coup. Donc vu qu'on est lundi, ça va être de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Du coup jusqu'à samedi soir inclus, je vous posterai la vidéo dimanche je pense. Une fois que je suis revenue des courses, je vais vous montrer aussi ce que j'ai dans mon frigo. Comme ça, ça vous fera une petite... un petit vlog une semaine dans mon assiette. Je pense que j'ai mis mon manteau, c'est parti. Bon, je me suis déjà préparé une liste de courses, je ne sais pas où je l'ai mise, mais j'ai dû la mettre là. Donc littéralement dans ma liste de courses, il y a franchement, c'est assez safe quoi. Alors qu'est-ce que j'ai sur ma liste de courses? Incroyable, mais vrai, je vais pouvoir aller faire les courses. Bon, je vous reprends que maintenant parce que j'ai eu grave des galères. Il faut grave que je vous raconte ça. Il est actuellement 21h. Bon, du coup, j'étais littéralement partie pour aller faire mes courses à Carrefour. Et en fait, je passe à la caisse et tout. En plus, j'ai pris genre grave des provisions. Je me suis dit, bon, au lieu de me casser cul à revenir tous les deux jours là, genre je vais prendre pour genre deux semaines, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un bal de trucs et tout. J'arrive à la caisse et tout, et du coup la meuf elle passe l'article et tout. Elle fait 4 du coup, bref, mes courses elles m'ont coûté genre 99 balles, tu vois. Et je passe ma carte, carte muette, et je la passe 10 fois, carte muette et tout. Bon, on va essayer sans contact et tout, et pour voir si ça marche, parce que tu sais, tu peux maintenant tu faire sans contact de 30€ jusqu'au montant et ça passe. Tu sais quoi? Et bah ça marche, genre pas du tout. Et du coup je suis, oh putain, je regarde mes comptes et tout, j'essaie de faire des virements, sauf que. Je me suis dit, au pire, vas-y, je fais un virement instantané et tout. Virement instantané, il marche sur aucun de mes comptes. Donc je peux pas faire du virement instantané, en plus d'autant que c'est payant. Du coup, je fais bon. Fuck. Genre, je suis grave dans la merde, tu vois. Genre, il est 19h45, ça ferme dans 3 quarts d'heure. J'ai pas de sous. Et j'ai 99 balles de course qui sont là, comme ça, en train de m'attendre ou pas. Et du coup, j'ai appelé ma pote Marianne, j'ai fait meuf, je suis dans la merde. Est-ce que tu peux bien m'aider et tout? Elle a mis genre 25 minutes arrivée et tout, la meuf elle devait du coup fermer sa caisse à 20h. Du coup ils ont dû faire un transfert et tout. Et du coup ma pote elle passe sa carte et tout. Et là c'est marqué carte muette, j'ai fait oh non, mais genre méga karma de ouf, c'est impressionnant et tout. Évidemment elle repasse, ça marche, bref du coup elle m'a sauvé la vie, elle m'a dépanné. Je dois quand même lui faire un virement quand mes sous vont arriver, ça va être sympathique. Je pense qu'on peut faire un petit tour des courses, je viens tous de les ranger, on vient de se manger un truc. Mon frigo est quand même genre un peu plus rangé que la dernière fois. On va quand même commencer par le frigo. Alors, en bas, on a de la salade et des filets poulet que je vais congéliser, oui bien sûr, que je vais mettre au congélateur séparé, comme ça je vais pas galérer à les ressortir. Ensuite, on a des petits gnocchi dans le côté, parce que bon, j'ai craqué quand même, faut pas déconner. Citron et concombre. J'ai pas pris beaucoup de légumes parce que j'ai tout pris surgelé, parce que ça se perd et ça coûte trop cher en fruits, du coup j'ai tout pris en surgelé. Ensuite ça c'était déjà là. J'ai pris du fromage de chèvre. D'ailleurs ça va au-dessus. En viande j'ai pris de la bavette. J'avais envie de tester pour voir si c'était bon ou pas. Ensuite là j'ai des allumettes. J'ai deux sachets de bacon. Du blanc de dinde. Du blanc de poulet. De la dinde, genre deux baquets de dinde. En haut j'ai des œufs. Normalement je prends des barquettes de 30 et tout, sauf que bah là il n'y avait pas et puis il était 19h donc il y avait genre plus rien dans les rayons, du coup j'en ai pris un de 10. Et j'ai pris de la crème fraîche parce que je vais sûrement faire un poulet curry et que je me suis dit que c'était quand même meilleur avec de la crème fraîche, même si je compte pas en manger. Du coup j'ai pris deux trucs de skyr, j'ai pris deux pots yaourt de skyr parce qu'ils sont vraiment bons. Derrière il y a le fromage, je vais mettre ça là. Et du coup j'ai pris la feta parce que... Oh merde, attendez. Du coup j'ai pris de la feta et du petit billy. On va pas se mentir, genre le petit billy c'est grave. Bon, tac. Ah oui j'ai pris du pesto aussi.
parce que bref, pour avoir des sauces. Super. Je... Et en plus, je casse tout du ketchup comme d'hab. Bon, j'ai pris un gros, donc celui-là devrait me faire 25 ans, c'est sûr. Franchement, on n'est jamais mieux sans une petite bouteille de coca. J'ai pris du pain, des pommes, comme ça quand je vais en cours à midi, au moins je suis tranquille. Ensuite, j'ai repris du thé parce que j'en avais plus. J'ai repris du paprika parce que c'est pareil, j'en trouvais pas et ils en ont enfin. Je suis grave contente. Et j'ai pris du pain de mie comme ça, je vais sûrement manger matin, mais je vais voir. Pour l'instant, il y a tout ici et le reste. Et le reste, c'est là. Donc j'ai pris de la soupe, j'ai pris du riz, j'ai pris deux briques de lait parce que si je veux faire de la purée ou genre du chocolat, j'ai pris des tortillas. Ça, c'est grave bon quand t'as la flemme de cuisiner, tu mets ça avec un petit peu de fromage de chèvre, tu mets plein de genre thon, bien sûr, tomate, thon et maïs. Du coup, thon et maïs. Et là, j'ai repris des provisions de pâtes. En plus, alors c'était grave pas cher, donc j'ai pris 3 sachets de pâtes. Et ça, je l'avais déjà avant. Le congélateur, faut que je vous montre. J'ai mis le temps. J'ai acheté des courgettes, des poireaux, des brocolis et un truc de wok. J'avais déjà des haricots verts, des épinards et des brocolis. Bon, du coup, ce soir, je me suis fait un petit truc très rapide. Escalope de dinde avec, du coup, des petits légumes sautés que j'ai décongelés. Et j'ai rajouté du cumin et du sel. Et mon petit thé. On se retrouve demain matin pour le petit déjeuner du matin. Bonne nuit. Et bonjour. Ce matin, on est le mardi 5 novembre. Et il est 9h35, j'ai cours à midi. Je vais me faire un petit déj assez copieux puisque je mangerai que à 15h après. On va commencer par ça. Le matin, j'ai toujours mon petit thé vert. J'ai enfin du thé, du coup maintenant je peux en reboire. Voilà, petit thé. Du pain, des œufs. Donc, 2 œufs et du bacon. Yes! J'adore. C'est le matin comme ça. On va essayer de faire mieux que de hier. Hein. Voilà. C'est déjeuner. Un petit peu de sel. Je vais me prendre une pomme pour les cours tout à l'heure. Ça m'évitera de manger un Kinder Bueno à la machine. Je mange genre littéralement la même chose tous les matins. Œuf, bacon, thé, du pain si il m'en reste encore. Ou peut-être des fois genre, je prends un yaourt, genre un skir, mais pas parce que j'ai la flemme de manger ou que j'ai pas faim. En vrai, je suis la seule à jamais finir mes thés ou il y a vraiment que moi qui arrive jamais à finir mes thés. C'est vraiment une putain de question existentielle. Puis je bois et après j'oublie complètement et du coup genre ça reste et c'est trop chiant. Je quasi jamais finis mes thés, je sais pas, c'est... Bref, si vous faites ça, dites-moi, je vais me sentir un peu moins seule, je vais finir mon thé. Et bonsoir. Je viens juste de revenir des cours, là il est 16h. Et du coup je vais manger mon midi, parce que j'ai mangé du coup ce matin assez tard. Et j'ai juste pris une pomme, j'ai fait l'effort de rien manger et de surtout pas manger Kinder Bueno. Donc il est 16h, je vais me faire à manger et après du coup le repas de ce soir ce sera genre peut-être vers 21h. Un truc par là je pense. Mais je sais pas quand faire à manger. Je vais manger un truc frais genre qui est grave bon. Mais j'ai aussi envie de manger un truc chaud. Du coup je sais pas si je vais faire un wrap. Le problème c'est que j'ai tellement faim qu'avec un wrap genre ça suffira pas. C'est une putain de question existentielle les gars. Je ne sais pas. Oh j'ai mis un petit pull de nez là. J'adore trop, c'est trop fun. Bon, on va faire des wraps et je vais faire du riz après, je pense. Un truc comme ça. On va préparer tout ça. Alors, vous êtes... On va vous mettre.
dans mon petit wrap, j'ai... Je vais sûrement en refaire un deuxième après. J'ai de la salade, du blanc de poulet, du maïs, des concombres et du chèvre juste là. Et je l'ai fait réchauffer juste avant. Et je vais sûrement en refaire un deuxième et du riz après. T'as même pas, genre à quel point j'ai trop faim. Je mange des quantités à un niveau considérable, les gars. C'est pas possible. Deuxième petite assiette. Ce garçon est resté à l'écart suffisamment longtemps. Évidemment. Et je comprends aussi. Franchement, j'avais trop... Merde. J'avais trop faim. Du coup, ben, petit riz d'Inde. Et je suis en train de regarder des petits extraits de Desperate Housewives. Une merveille. Les gars, ma vie est si nulle. Je vous jure, j'ai un karma de merde. Regardez. Ma plaque, elle est encore chaude. J'avais complètement oublié d'éteindre. Et il est 19h. Donc, ma bouffe a tourné depuis 16h. Autant vous dire que là, si... J'adore. Je suis fan. Franchement, j'adore niquer de la bouffe comme ça pour rien. Voilà. Super. Karma de merde. On apprécie. Et bonsoir. On est mercredi 6 novembre et on est déjà le soir parce que ce matin j'étais un peu en retard, du coup j'ai pas vlogué. Il est 18h50, du coup j'ai pas vlogué ce que j'ai mangé ce matin, mais c'est comme hier, comme je mangeais tous les matins, c'est 2 œufs et 2 tranches de bacon et du pain et un petit thé vert à la menthe. Ce midi, j'ai mangé du coup mes restes de légumes que j'avais fait lundi. J'avais fait lundi soir avec du blanc de poulet, du coup que j'ai mangé ce midi, avec du citron. Ma voix part en couille littéralement. Ce soir, je vais au sport, donc je mange un petit peu avant d'y aller et je mangerai correctement après. La dernière fois que j'ai mangé, c'était à midi, donc j'ai un peu faim. Je me suis fait du petit billy frais avec du thon, du maïs et du citron, du sel. J'ai fait une petite portion. Comme ça au moins j'ai vu éviter d'être trop rempli pour le sport. En train de regarder la deuxième saison de The End of the Fucking World qui est sortie il y a quelques jours. On se retrouve demain matin pour le troisième jour de cette semaine. Hello tout le monde, on est le jeudi 7 novembre, il est actuellement 20h34 et j'ai vlogué ce que j'ai mangé ce matin, mais c'était pas très healthy, genre Nutella, et du coup je fais à manger. Au moins je fais après repas. Franchement j'ai trop la dalle là. Ah, j'ai mangé quoi aujourd'hui? J'ai dû manger une pomme et un Kinder Bueno, je suis honnête.
Et pour les légumes, j'ai mis poivron, oignon et champignons. C'est tout. Et après, je vais rajouter du curry, du cumin et du paprika. Et l'ingrédient de base, la crème fraîche. Aujourd'hui on est le 8 novembre, vendredi, et il est 12h26 et je viens de me réveiller. On n'a pas cours le vendredi donc c'est juste trop bien. Le petit déj du matin, comme hier là du coup, Nesquik et pas Nutella parce que c'est trop bon. Demain je mangerai mieux. Tu vois.